RMC. Roger, mais attention parce que. C'est de nouveau intercepté, attention, parce que ça peut aller très vite derrière. Il y a Ariane Robben à la course avec Piqué. Ariane Robben face à Ariane Robben qui retourne sur lui-même. Il n'a pas vu son partenaire. Oh, il y va tout seul, le coquin, et il marque le cinquième but. Ariane Robben, incroyablement égoïste et individualiste, mais qui met quand même ce cinquième but. 5 buts à 1 pour les Pays-Bas face à l'Espagne. C'est incroyable comment il a mangé Sergio Ramos à la course, parce qu'au départ j'ai dit que c'était Piqué, mais c'était Sergio Ramos. Et Ariane Robben, il l'a complètement mangé derrière, il a pris tout son temps, il a tourné quasiment à 360 degrés sur lui-même pour repiquer dans l'axe. Il avait un coéquipier qui lui faisait des signes pour avoir le ballon, il était tout seul. Ariane Robben, il n'en a que faire des coéquipiers quand il est comme ça, et il a donc choisi lui aussi de marquer son doublé. Attention ce ballon, parce qu'on est tout de suite dans le camp anglais. Ça va très vite finalement. Candreva au deuxième poteau, Mario Balotelli, super Mario, et bien voilà mon cher Daniel Riolo, voilà, il est là, Mario Balotelli qui signe le deuxième but pour l'Italie, et ça rime. 50 minutes de jeu à Manaus, 2-1 pour les Italiens, le centre est parfait, la tête cette fois est très bonne parce qu'en première période il en avait raté une, et le centre de Candreva du pied gauche au deuxième poteau, parfaitement précis pour la tête de Mario Balotelli qui peut bien piquer pour battre Joe Hart. 2-1 le pour les Italiens. Super, hein. Et Johan Cabaye pour Karim Benzema, il va jeter, et le but, non, oui, est-ce qu'il est rentré, oui. Technologie goal! Technologie goal! Technologie goal! Qui est venu finir un coup de main! Le gardien essaie de la faire à l'envers en récupérant le ballon à la non. De mais la montre a vibré, Jeannot! La montre a vibré! Oui. Et ce qui a vibré, c'est le public ici à Porto Alegre, les supporters, le centre de Valbuena, impeccable Karim Benzema, le poteau rentrant, et ça fait 2-0! On va le regarder ça! Penalty pour l'Algérie, sur ce centre de Farouzi Ghoulam, un homme a fini à terre, et le voilà l'événement de ce match pour l'instant, le penalty accordé à l'Algérie. On va le tirer dans un instant, c'est Sofiane Ferouli, la star des Fenech, qui va s'exécuter dans un instant, 3-4 panels en bas plus, un moment décisif peut-être dans ce match, le but algérien au bout du pied de Ferouli, il est tiré, le but algérien, super bien tiré. Extraordinaire l'image au poteau de corner, puisqu'il y a 5, 6, 7 joueurs algériens en train d'embrasser la pelouse.